C'est ce mardi 24 juin que les 340 213 candidats du baccalauréat ont été situés sur leur sort après 9 mois de travail acharné. Mais avant, place à la proclamation officielle des résultats. Ainsi, à l'examen du baccalauréat session 2023, se sont effectivement présentés dans les salles de composition 340 213 candidats. Sur cet effectif, 109 166 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 32,09% contre 30,78% à la session 2022 et 29,24% en 2021. Ce pourcentage enregistre donc une hausse de 1,31. Tous les types de baccalauréat connaissent une hausse du taux de réussite avec un net rebond de 5,65 au niveau du baccalauréat de technicien. Au niveau du genre, sur 162 170 candidates présentes, 50 181 filles sont admises, soit 30,94% contre 31,04% en 2022 et 28,78% en 2021. Concernant les garçons, sur 178 043 présents, 58 985 sont admis, soit 33,13% contre 30,56% en 2022 et 29,60% en 2021. Les garçons enregistrent un meilleur taux de réussite que les filles. Après la proclamation officielle des résultats, nous nous sommes rendus au lycée moderne de Koumassi pour vivre ces moments uniques de la vie scolaire. Et là, on termine ici. J'ai fait le bloc pour la première fois avec 301 points. 301 points, voilà moi. Il bossait là, il dit. De nuit, je suis endormi, voilà nous maintenant. 301 points, c'est pas pour garder, moi. J'ai eu mon bac, j'ai déchiré. Série D, j'ai déchiré mon kaki, il a gâté encore mon téléphone. Mon père a payé iPhone pour moi. Voilà, le petit fan. Honnêtement, je suis tellement heureuse parce que 9 mois de souffrance, Dieu a enfin donné ma victoire. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Série D, il y a eu la mention assez bien. 243 points. Les candidats récalés quant à eux s'abandonnent avec tristesse aux pleurs, mais aussi à l'espérance pour une autre année plus gaie.